Nous espérons une décision positive et humaine, que la juge sera juste, car nous avons déjà obtenu plusieurs bonnes et justes décisions de la part de tribunaux en France, et nous espérons qu'il en sera de même. Il y a deux options. Si nous perdons, la police commencera la destruction de la partie sud de la jungle, et si nous gagnons, la décision est suspendue. Mais si nous perdons, nous saisirons immédiatement la Cour européenne des droits de l'homme. Nous espérons vraiment que la juge qui a visité le camp aujourd'hui aura un peu de cœur et se sera rendu compte que beaucoup d'enfants vivent là-bas et qu'ils perdront notre protection s'ils doivent quitter la jungle.